Eh bien bonjour à tous, c'est Docteur Horse et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Stranded Deep. Alors, j'ai pas mal de choses à dire avant de commencer. Je viens de tourner le deuxième épisode déjà et honnêtement c'était une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai voulu aller sur une autre île. J'ai pas pris d'outils sur moi, j'avais tout laissé ici. Et le problème qu'il y a eu c'est que bah, tout simplement j'avais besoin d'outils là-bas et je le savais pas. C'est-à-dire que je pensais que je pouvais récupérer genre des yucca et tout ça avec par exemple la lance. Et c'était pas le cas, je ne pouvais pas le faire. Donc je me suis retrouvé sans outils, j'ai rien pu faire sur cette île. J'ai trouvé une caisse mystérieuse, il y avait marqué, donc je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas pu l'ouvrir du coup parce que je manquais d'outils. Je me suis un peu perdu en mer, il y a eu de la pluie, donc j'ai expliqué que la pluie ça vous fait dériver, vous n'y voyez plus rien, vous voyez à quelques mètres uniquement. Donc c'est très très galère. Ensuite, autre chose, c'est que quand vous commencez à naviguer, au bout d'un moment, si vous vous retournez au milieu, vous vous paumez totalement, vous savez plus du tout où vous allez. Et bon, en l'occurrence, moi, je suis quand même resté dans la bonne direction et j'ai quand même commencé à me perdre. Je savais plus de quelle île je venais après, alors que j'ai fait du tout droit. Donc, c'est vraiment compliqué. Il faudrait trouver des astuces. Je pensais notamment moi, à poser quelque chose dans la direction sur l'île où je dois aller, mais encore faut-il le savoir au début. J'ai dit que lorsqu'on mourait, normalement on pouvait pas recharger la partie, c'est faux parce que je suis mort et vous voyez que je peux recharger la partie là où j'en étais, c'est pour ça que je préfère recommencer d'ici. Parce que c'était un petit peu brouillon honnêtement ce que j'ai filmé. Et ça permet de vous donner les infos que j'ai eues et en sortant un peu mieux préparé. Et ça me permet également de continuer le let's play finalement sans mourir parce que sinon bah, j'aurais dû renommer et faire des épisodes plus ponctuels que de vrais let's play donc voilà. Ce que j'ai dit aussi, c'est que donc voilà, des viewers m'ont dit que je pouvais notamment boire dans une noix de coco puis la casser pour la manger. Ça m'évite de gâcher la chose. Donc effectivement, c'est vrai, je gâchais des noix de coco. Désolé, j'avais pas capté. Vous voyez qu'il y a un petit souci par contre. Depuis que je suis mort et que je charge la game, j'ai réessayé plusieurs fois. Alors il y a un souci, soit de texture, soit d'eau qui monte, de marée montante. Voyez, et vous voyez que mon île commence à être un petit peu engloutie. Et bah ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur là. J'ai peur de tout perdre. Voilà pour les choses à dire. Donc le loot, là on m'a donné la réponse, je la donne aussi en vidéo. Le loot ne respawn pas. On m'a parlé aussi d'un écosystème, si je coupais trop d'arbres et tout ça, que ça allait pas repousser. Et sinon si. Donc voilà, essayer de couper progressivement pour conserver l'écosystème de notre île. Qu'y a-t-il d'autre à parler? Ah oui, petite découverte sur les requins. On me l'avait déjà dit, on m'a dit que les tigres étaient plus inoffensifs que les requins blancs. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. J'ai croisé un tigre qui d'ailleurs m'a tapé, mais m'a rien fait. Par contre, j'ai croisé des requins blancs qui m'ont tapé, qui m'ont fait mal. Et il y en a même un qui m'a chopé. C'est-à-dire, je pouvais plus bouger, il était en train de me manger. Il m'a fait saigner. Il m'a enlevé un petit peu de vie et il m'a fait saigner. Et le problème, c'est que même une fois que j'ai réussi à le semer, quand on regarde, vous voyez, en appuyant sur F. Vous voyez le bras du personnage, bah, il était tout rouge, ce qui voulait dire que j'étais en saignement et donc bah, qu'il me fallait un bandage, sinon ma vie allait descendre progressivement. Ce qui est arrivé, je suis mort. Alors j'ai commencé à mourir de saignement et après je suis mort noyé de toute manière, mais voilà, c'était assez gênant, je dois l'avouer. Donc je passerai pas voilà cette vidéo, je vous dis, c'était un peu brouillon, c'était. Bah parce que je vous ai dit, il s'est rien passé, c'était voilà, le fait d'aller sur une île à une autre. Et pareil, j'ai eu un souci que des viewers m'avaient parlé, c'est-à-dire que mon raft a disparu en allant sur l'autre île. Et bizarrement, pourtant, au bout d'un moment, je me suis retourné et tout, bah, je m'étais perdu. Et j'ai revu le radeau, il était de nouveau là, mais quand je m'en approchais, il disparaissait. Donc c'est un bug, tout simplement. Donc avis aux viewers qui me disaient qu'on pouvait mettre des objets dedans pour pouvoir explorer et avoir plus d'objets sur nous et tout. À éviter parce que s'il disparaît et que vous perdez tous vos objets, vous allez être un petit peu dégoûté, je pense. Et en plus, il y a des bugs aussi où les objets passent à travers. Bref, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ce que j'avais prévu de faire de base, c'est-à-dire une exploration lors de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre, voilà, ça, je vais en boire une. Hop, je vais casser ça. Voilà. On va manger. Ouais, si je... En fait, je mange les deux parce que vous allez voir. Alors, je pars en exploration, mais attention, je vise plutôt une île parce que je sais ce qu'il y a vers là-bas. Du coup, ça n'a pas dû changer depuis la sauvegarde. Ceci dit, je sais plus vers laquelle j'ai été.
Je pense que c'est celle-là là-bas. Et j'aimerais bien qu'il y ait toujours cette caisse mystérieuse pour que je puisse l'ouvrir. Donc je vais partir avec pas mal de choses finalement sur moi. La bouteille d'eau, je vais la laisser ici. Ça sert à rien que j'ai trop de trucs. Le briquet aussi. Alors attendez, je vais mettre dans l'entrepôt. En fait, j'ai un peu peur de mettre des trucs dans l'entrepôt parce que vous voyez, j'ai peur que ça se fasse submerger. Alors peut-être que c'est fait exprès et que c'est un nouveau système. Genre à chaque sauvegarde, vous savez, l'eau monte et jusqu'au moment où votre île est submergée ou genre voilà, vous avez plus de vie, tout ça, j'en sais rien. Ou alors c'est juste un bug, ou alors. Enfin, honnêtement, j'en sais rien du tout. En tout cas, j'en profite de pouvoir continuer. Enfin, de pouvoir relancer ici, parce que sinon j'aurais été obligé de vous mettre un épisode bah, qui me convenait pas, tout simplement, de vous montrer ça. Donc voilà. Donc je vais garder tout ce que j'ai sur moi. Allez, c'est parti. On est parti. Donc j'espère que je vais retrouver l'île en question. Logiquement, j'étais parti pas loin du radeau. Ça doit être vers là-bas. Aussi, il y a un petit bug au niveau des îles. Enfin, un petit bug. Vous voyez que là elles sont toutes loin, vous savez pas trop laquelle est la plus proche. Hop. Vous savez pas trop laquelle est la plus proche. Et en fait, quand vous vous approchez voilà, de l'île comme ça, vous vous dites, mais elle se rapproche jamais. Des fois, vous vous dites un peu ça. Bah, c'est vrai, parce qu'en fait, effectivement, ça reste, le rendu reste à la même distance. J'ai pas trop mon mix. J'ai du mal à m'exprimer, désolé. Là, l'île, elle va rester comme si elle était aussi loin que ça, même si j'avance progressivement. Et d'un seul coup, en fait, elle va grossir. Vous voyez, ça se fait pas progressivement. C'est ça le truc, c'est un petit peu buggé. Ah, mais regardez, même mon rafio, il est à moitié englouti dans l'eau, quoi. Vous voyez, mon île, c'est celle-ci. Je vais vers celle-ci. Ok. Donc, ce que je vous conseille, c'est de jamais vous retourner. Parce qu'à force, vous savez plus du tout où vous allez justement à cause de cette distance qui ne change pas. Donc vous allez vous retourner, vous allez vous dire, mais toutes les îles sont à égale distance, j'allais vers laquelle au début, voilà. Alors que finalement, vous êtes bien plus proche de celle-ci, vous avez déjà commencé à pagayer, parce que d'un seul coup, elle va grossir. Donc conservez la direction, surtout. Évitez de voyager la nuit, parce que là, c'est vraiment source d'ennui. N'hésitez pas au pire à vous faire un lit et à dormir pendant la nuit pour la faire passer. Et voilà quoi. Voilà. Donc je vais essayer d'arriver sur cette île en espérant. Voilà. Bon. Je l'attendais, je m'y attendais. Donc il y a un requin à ma gauche. Ah voici un truc que j'ai pas dit et que je voulais dire aussi. Un viewer m'a dit que je pouvais tuer des requins, que ça me faisait pas mal de nourriture. Alors je sais pas si c'est vrai pour tous les requins, mais moi j'ai essayé de tuer un requin en étant proche d'une île. Je lui donnais franchement facilement une centaine de coups. Et j'ai pas réussi à le tuer. Donc voilà, c'est chose dite. Alors, oui, en dessous de moi, il y a une épave que je vais pas visiter parce que déjà, il y a un requin qui me suit. Alors, j'aimerais bien essayer le brain. C'est un requin de tigre, apparemment, donc c'est pas le plus. Ah, ils sont deux. Mais c'est pas le plus gênant. Donc, vous voyez, j'essaie le brain un petit peu de repasser derrière et tout. Ensuite, l'épave, il faut savoir que justement, dans l'épisode dont je vous ai parlé, que je vais pas upload finalement. Je suis déjà allé dans cette épave et je n'ai rien trouvé. Donc voilà. En plus, il faut faire gaffe, hein, je vous dis, parce que sous l'eau, vous perdez vite de la vie aussi. Parce que dès qu'il vous dit que vous manquez d'oxygène, c'est que c'est déjà trop tard, c'est que votre vie commence déjà à descendre. Donc faire attention. Ah, le requin a l'air de m'avoir lâché. C'est plutôt cool. Donc a priori. J'arrive sur la même île que là où j'étais tout à l'heure. Donc, si c'est la même exactement, il devrait y avoir une caisse dessus et je pourrais vous la montrer une nouvelle fois et voir un petit peu bah, ce qu'est cette caisse, à quoi elle sert, si je peux l'ouvrir. Ah, je crois que je la vois d'ici d'ailleurs, ouais. Ouais. C'est parti! Voilà, Mysterious Box. Donc on y est. Essayons de l'ouvrir. Si je peux pas, je suis un peu deg. Alors, j'ai essayé d'appuyer sur E, je ne peux pas la sélectionner. Enfin, je peux pas la prendre dans l'inventaire. Je peux la faire se déplacer. Et apparemment, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, ceci est une mystérieuse box qui est vide et qui ne sert à rien. C'est juste un carton qu'ils ont appelé comme ça. Donc voilà. Question du jour. Avis à tous les viewers, savez-vous à quoi sert cette mystérieuse box? Honnêtement, moi j'en sais rien. Où est-ce qu'elle est? Ah, ok. Normalement, je devrais la perdre dans l'eau d'ici peu de temps. Donc, ouais, voilà. Question du jour. Savez-vous à quoi elle sert? Voilà.
Alors pareil, cette épave, il me semble que je l'avais visitée et qu'il n'y a rien. On va quand même y faire un tour parce que ça m'arrangerait qu'il y ait quelque chose. Quelque chose. Alors vous voyez là, il y a des petits bugs hein, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû laisser la possibilité ici, quand on est sur un rebord, de s'agripper et de monter. Parce que du coup, il y a certaines épaves sur lesquelles vous pouvez pas aller. Ou alors vous buguez un petit peu et vous pouvez pas en ressortir ou quoi. Donc c'est un peu galère des fois. Vous pouvez vous pourrir une game comme ça, hein. Ça m'est déjà arrivé. Faut être très prudent avec les épaves. Bon là autant dire qu'on n'y voit rien à cause de la nuit et que en plus. En plus il n'y a rien là-dedans de toute manière. Bon, vas-y, on va retourner sur l'île. J'ai oublié un truc, je voulais me prendre une noix de coco sur moi du coup, pour pouvoir. Parce que comme j'ai dit, en fait, il me suffisait de prendre des noix de coco en drinkable que je puisse boire, et ensuite je pouvais les couper pour prendre, pour les manger aussi. Ça fait double emploi, hein, ce qu'on m'a dit que je faisais pas avant, que je faisais du gâchis, tout ça. On m'a engueulé et tout. Hein, mais, bon bah voilà. Voilà, c'est pas grave, je vais retrouver des noix de coco là-dessus. On va faire ça, on va se trouver des noix de coco pour repartir. Vous voyez, j'ai pas mal de couteaux. J'ai deux couteaux, du coup j'ai la hache aussi qui pourront m'aider. Alors on va essayer de grimper dans un arbre d'abord et de trouver des noix de coco à embarquer tant que j'y pense. Alors est-ce qu'il y en a dans celle-ci? Ouais, nickel. Oh, regardez, on en prend plein. On peut en stocker jusque 4. Oh là, tombe pas petit. Donc, alors je suis désolé, hein, il fait nuit, je sais, j'en suis conscient. C'est le but de la survie aussi, hein. Alors voilà, hop. On va en boire une. On va la balancer. On va la couper en deux. On va la manger. Mec pas relou, vous savez. Ok, maintenant que c'est fait, les quatre autres, je vais les garder. Comme ça, j'aurai à boire et à manger à disposition pour mon aventure. Donc voilà, toujours. Quand vous partez en excursion, toujours avoir un outil, une arme. Et voilà, les noix de coco, c'est nickel, ça vous fait à manger et à boire en même temps. Donc les pagaies aussi, ça peut être pas mal. Alors, quelle est l'idée? L'idée du jour. On va essayer du coup. Attendez, parce que la caisse, je vais pas essayer de l'ouvrir avec un couteau, remarque. Ouais, je vois pas pourquoi ça marcherait mieux. Alors, on va faire un truc. Faire un truc. D'ailleurs, j'avais trouvé une balise de sauvetage aussi, d'ailleurs, qui servait à rien. Et il y a le requin qui la faisait bouger assez violent dans l'épisode que je ne posterai pas, du coup. Mais bon, sinon, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, je vous rassure, hein, d'où le fait que je la pose pas. Là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va se faire un radeau, parce que le mien a disparu, encore une fois. Alors, pour faire le radeau, j'en avais parlé lors de ma vidéo tuto, mais je l'avais pas montré. Il faut 8 sticks comme une fondation, mais en fait il faut qu'ils soient dans l'eau. Ah mince, il me faut aussi un. Ah ouais, ça c'est. J'ai pas intuité. Bon, c'est pas grave, j'ai de quoi en faire. Il me faut aussi un marteau du coup. Il me faut un marteau pour la construction. Ouais, j'aurais peut-être dû le prendre du coup, mais enfin ouais, c'est chiant de partir trop stuff aussi parce que après on a plus de place. Donc ça, on va le mettre là, je le casserai après pour faire des sticks. Ça fera les 8 sticks pour faire le. Pour faire le radeau. Donc il me faut un marteau. Le marteau, il va me falloir des plantes. Tac. Donc ça, niveau des plantes. Ouais, si, des plantes qui font des cordes. Il me faut un roc. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Le stick, c'est bon. Alors les rocs, ça me fait peur parce qu'il y a des îles où il n'y a aucun roc. Et là d'ailleurs j'ai envie de dire aux développeurs, mettez-en plus. Alors je dis pas d'en mettre des tonnes, mais franchement arriver sur une île où vous trouvez pas un seul caillou, c'est quand même la misère. Voilà, quand vous êtes obligé de retourner sur votre île principale pour continuer, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, là j'en ai trouvé heureusement. Mais sinon j'allais rager, hein, honnêtement. D'ailleurs je commençais déjà à rager, vous voyez. Alors. Ah mais non, mais il me faut deux rocs en plus pour faire le... Ouais, il me faut deux rocs. Bah bravo. Bravo le veau. Ah bah deuxième roc.
J'ai eu du cul. Voilà. Hammer. On le prend. On va casser le bois. Alors je le fais avec le couteau volontairement parce que j'en ai deux. J'ai envie d'économiser ma hache. Alors normalement un log fait 8 sticks. Pardon, 4 sticks. Et du coup les deux logs me feront les 8 sticks dont j'ai besoin. Alors je sais pas s'il faut que je sois vraiment bien dans l'eau ou pas. Parce que... Ouais, je pense que je vais les mettre là pour être sûr. Parce que 16 m'a dit qu'il avait essayé. Parce qu'il a acheté le jeu, tout ça, pour ceux qui le connaissent. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est juste un joueur et qui joue assez régulièrement. Et donc il a acheté le jeu et il m'a dit qu'apparemment c'était un peu bugué dans le sens où il y avait toujours marqué fondation quand vous essayez de crafter le radeau. Mais normalement ça marche, donc il faut bien être dans l'eau. On va voir, voilà, fondation. Ouais, vous voyez, j'ai mon radeau. Ah ouais, d'accord, en fait, voilà, fondation. Mais si vous le faites sur l'eau, enfin sur la terre, c'est une fondation. Et si vous le faites sur l'eau, c'est un radeau. Eh bien, go pour le radeau. Bon, écoutez, au moins ce sera un épisode sympa, hein, parce que... Bah, parce que concrètement, pour se balader sur un radeau comme ça, faut avoir envie, quoi. Mais moi, j'ai envie. J'ai envie de vous le montrer, j'ai envie de faire ça, alors on va le faire. Et vous savez quoi, parce que je suis joueur... Oh non, mais il y a déjà un requin. Parce que je suis joueur, je vais même mettre ma caisse, histoire de me l'amener le plus loin possible, en espérant qu'elle tombe pas de suite. C'est quoi comme requin, là-bas? C'est un tigre. Alors, je sais pas du tout d'où je viens, par contre. Il faudrait pas que je revienne sur la même île que là où je suis. Enfin, que là où j'étais, là où j'habite et tout ça. Pourquoi c'est coloré, ça, par contre? Peut-être qu'on peut l'améliorer. Regardez, il n'y a que les cordes qui sont colorées. Vous croyez que je peux crafter autre chose avec? Ah, ça veut peut-être dire ça. Attendez, est-ce que je me le tente de me mettre des sticks en plus dessus avant de partir à l'aventure? Moi, je le tenterais bien. Je coupe juste un arbre, j'essaie de mettre genre 4 sticks dessus. Juste pour voir si... Parce qu'on dirait que je peux crafter autre chose avec le radeau. Genre peut-être le consolider un peu ou faire quelque chose. Peut-être, je sais pas moi, faire une voile. J'en sais rien, faire un truc qui tangue moins. Attendez, on va prendre un log. Ça va pas prendre beaucoup de temps, je vous rassure. On a combien? On a 17 minutes de vidéo déjà, c'est vrai. C'est vrai que le temps passe vite, on a l'impression qu'on fait pas grand chose. Alors je ferais bien des ellipses, d'ailleurs j'en avais fait pas mal dans l'épisode que j'ai failli poster avant. Mais là je vais pas le faire parce que dans le sens où là je montre un petit peu. Ça monte le jeu quoi, c'est comme ça, hein, la survie c'est ça aussi. Et pour l'instant peut-être que le jeu n'est pas super complet non plus, donc ça permet vraiment de vous montrer de toute manière ce qu'on fait dans le jeu vraiment. Par contre c'est chiant parce que c'est la nuit et j'ai pas de lit pour faire passer la nuit là. Hop, oula, j'ai perdu la moitié de mes sticks. Revenez les sticks. Oh attendez, j'ai peut-être trouvé un truc. Oh yeah. Bon, a priori, je pense que je peux rien crafter de plus avec. Hein. C'est pas grave. Par contre, au lieu de pagayer et que c'est super lent, vous voyez. Mais que je peux le faire. Hein, je vais tenter un truc qui peut être sympa. Ça va être de prendre un stick, de le mettre derrière. Et de pousser mon radeau. Comme je viens de le faire, là. Ah ouais, non, mais ça va rapidement être galère. Ouais, non, en fait, ça va pas être gérable du tout. C'est une mauvaise idée. Oh, ma caisse. Ma caisse. Bon, l'avantage de ce radeau, c'est que peu importe s'il se retourne ou pas, il est toujours dans le bon sens. Vu que c'est les deux mêmes côtés. Deux mêmes faces. Non, allez, on va remonter dessus. Ok, on va essayer de remonter dessus, voilà. Et on va essayer de gagner une île. Avec ma petite caisse mystérieuse. C'est un petit peu mon ami la caisse en fait. Parce que là vous vous dites, je vais pas aller là-bas, j'ai peur soit l'île d'où je viens. Parce que je sais plus du tout où je suis. Je vais plutôt aller là où je vois rien en fait là-bas. Ah, ou celle-là. Ça se trouve aussi c'est celle-là d'où je... En fait j'en sais rien moi d'où je viens. Alors attendez, parce que je veux pas perdre ma caisse. Hein. C'est important là. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de sa caisse? Il sait même pas quoi en faire, il trouvera certainement jamais. C'est vrai. C'est peut-être vrai. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous êtes seul au monde sur une île,
Bah vous vous trouvez un ami, même si c'est un ami imaginaire ou un ami comme ça que vous vous construisez. Vous vous trouvez un ami. Il y en a, ils vont se trouver un ananas, ils vont dire c'est mon ami. Eh ben moi, je me trouve une petite caisse, vous voyez, elle est sympa, je me dis c'est mon ami. Moi, j'aurais pu prendre une noix de coco aussi, remarque, mais bon. Les noix de coco, il y en a trop, et du coup, bah. Pff, voilà, non, ça le fait pas. Alors que là, non, non. J'ai ma petite caisse, je vais lui dessiner des petits yeux dessus, une petite bouche et tout. Je vais lui donner un petit nom. Comment on l'appelle la caisse, les amis? Faut la renommer. Alors je sais que je me dirige vers un endroit où il n'y a aucune île, c'est volontaire. Je sais pas, j'ai l'espoir qu'il y en ait une qui apparaisse. Et de me dire, bah je sais pas, peut-être plus c'est loin, mieux c'est, je sais pas. J'espère que mon radeau ne va pas redisparaître. Ah, pareil, on m'a dit que les requins pouvaient retourner mon radeau. Si je restais trop sans bouger. Peut-être qu'il peut me faire bouger aussi en mode je t'aide à avancer. Mais je sais pas, ils ont pas l'air très sympas ces requins-là. Bon, allez, tant pis, je vais aller vers cette île-là. Au moins, je sais qu'il y a pas mal d'îles parce que sinon, je crois que je vais me perdre n'importe où. Par contre, c'est chiant que ça bouge autant la caisse là. Je vais vraiment la perdre à force. Non, vers là, j'ai dit. Le requin, tu veux pas m'aider à aller vers l'île? Ok, alors comment on appelle mon nouvel ami? Bah écoutez, ce sera la deuxième question du jour. Oh non, il va pleuvoir. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a du brouillard, j'aime pas ça. Attendez, mais non. Regardez, c'est tout rouge, on dirait que. Alors déjà, j'y vois rien, et ensuite, le sol est devenu tout rouge. Ah, j'ai peur. On dirait que je saigne et tout, que j'ai lâché du sang, mais pas du tout. Et d'ailleurs, là, je mets trois plombes à avancer, hein. Pourquoi je suis aussi lent? Croyez que c'est les requins qui m'ont gêné? Est-ce que je fais un autre radeau ou est-ce que. Bon, vous savez quoi? On va y aller à la nage. Avec ma caisse, bien sûr. C'est tellement nimp. Du coup, l'île, normalement, elle est par là-bas. Ou par là-bas à gauche. Donc ça, c'est la mienne. Donc ça, c'est aussi les aléas du jeu, hein. C'est fait exprès, c'est bien, hein, tant mieux. Mais voilà, des fois, vous avez un brouillard assez intense. Des fois, vous allez avoir de la pluie et tout. Vous n'y voyez rien. Vous savez plus trop où aller. Du coup, c'est la galère totale, hein, autant dire ce qui est. Donc là, l'épisode, ça va se résumer à essayer de trouver une autre île encore. Essayer de trouver des choses intéressantes. Style épave, style des ressources sur l'île. Enfin là déjà c'est style trouver l'île en fait je pense. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire une petite ellipse. Et on se retrouve dès que j'ai trouvé une île. A de suite. Re tout le monde. Triste nouvelle les amis. J'ai perdu mon ami. Non sérieusement, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai perdu effectivement ma caisse mystérieuse en mer, elle a disparu exactement comme le Rafio, donc voilà, super les bugs. Donc je me suis trouvé un ami et je l'ai déjà perdu, c'est génial, c'est super. Non, sérieusement, alors, bon, vous voyez là, j'arrive ici, il y a apparemment un truc sous l'eau, donc je vais aller voir ça, c'est pour ça que je reprends la vidéo là. Il y a une petite épave à explorer, donc un petit truc intéressant, ou pas d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Alors attendez, je vais vite remonter pour redescendre. J'ai pas envie de perdre de la vie bêtement. D'ailleurs, je pense qu'il faut que j'attende un peu plus longtemps en haut aussi pour bien regagner toute mon énergie. Pour bien reprendre ma respiration. Ok, ça va, j'ai pas fait d'idiot. Donc voilà, on est arrivé sur une île. J'ai un petit peu galéré. Honnêtement, c'était galère parce que j'ai pris une direction. J'en ai pas changé ni rien. Mais honnêtement, ça fait peut-être 10 minutes que je suis en train de nager. Donc j'ai bien fait de vous faire une ellipse parce que franchement, ça allait être un petit peu embêtant pour vous sinon. Ça faisait vraiment un moment que je nageais. Je pense que voilà, avec la brume qu'il y avait, je me suis peut-être un peu égaré au milieu. Je voyais vraiment pas les îles, hein, de toute façon, donc je savais pas du tout où j'étais. Donc voilà, l'ellipse était nécessaire, clairement. Là, il n'y a rien dans ces épaves en fait.
peux pas aller en dessous. En dessous, il y a peut-être quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ok. Donc, on va essayer d'aller voir l'île. Nouvelle île, nouveau départ. Ou pas. Par contre, autant le dire. What the fuck? Mais non! Bon, autant le dire, il y a du bois coupé. Il n'y a rien là-dedans. Je suis revenu à l'île où j'étais, hein. Mais non! Pourquoi? Pourquoi moi? Bon, mais ça, c'est le genre de choses qui arrivent vraiment souvent, hein, donc voilà, hein. Bah écoutez, je vais en profiter pour remanger un bout. J'allais vous dire que justement, là où j'étais, il y avait très peu de chances pour que je retrouve mon île où je me suis établi. Parce que c'est vraiment galère de se repérer en fait sur ce jeu. On dirait pas hein, comme ça, mais franchement, quand vous arrivez sur une île, vous arrivez à peine, vous vous retrouvez et vous dites, mais je viens d'où là? Et puis après, vous dites, ouais, je dois venir de là ou quoi? Et puis finalement, vous nagez et vous vous rendez compte que bah, toutes les îles se ressemblent et que pas du tout quoi. Donc, bon, bah, j'ai peut-être perdu mon île principale, c'est possible. Hop, on va manger ça. Ta montre, s'il te plaît. On va remanger une autre direct, hein, comme ça je serai full pour repartir. Alors j'hésite, hein, est-ce que je me refais un rafio ou pas? Parce que si c'est pour qu'il redisparaisse encore à la moitié ou qu'il soit à moitié buggé, que je puisse pas avancer, ça va pas être terrible. Il n'y avait pas des noix de coco là-bas? Si, j'en avais vu. Hein. Voilà, donc je vais me remettre bien. Je vais me remettre bien et je vais choisir une autre île en espérant que je tombe pas sur... enfin, que je revienne pas sur mes pas déjà et que je retombe pas sur une île que j'ai déjà explorée. Est-ce que je la tape? Ouais. Hop, et on est full. Pas du tout. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, on est presque full. Alors, on va viser une île, une nouvelle île. Allez, vu que là, je suis arrivé vers le bateau. Ah, vers là-bas, je crois que c'est mon île principale, par contre, en fait. Je me souviens que je suis arrivé sur un truc comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre de ce côté que je sois sûr? Bah, je vais aller vers l'autre là-bas, je pense pas que j'y étais en fait. Mais même celle-là en fait, elle est super proche et j'ai pas dû y aller. Parce que j'ai dû me perdre, j'ai dû arriver de là et tout en mode voilà, mais celle-là je pense pas que j'y étais. Donc je vais viser cette île-là, tant pis, on va y aller en nageant, j'ai de l'espoir. Je sais plus si je vous l'ai dit que. Si je vous l'ai dit que je m'étais fait attraper et du coup que je saignais et tout ça. Ouais, ça je vous l'ai dit. Et du coup, voilà, je sais pas, mais il faut un bandage du coup pour se soigner. Bien sûr, si vous saignez, que vous vous faites attraper par un requin et que voilà, il vous fait saigner. Il y a masse de requins par là, oh là là. Il y a masse d'îles proches aussi, donc ce sera bien pour l'exploration. Et pareil, je sais pas si je vous l'ai dit, parce que voilà, entre un épisode et un autre, avec les coupures, je sais plus. Mais qu'un viewer m'avait parlé d'une plante violette qui était dans le bah, sous l'eau. Et apparemment, ça intoxique le joueur. Donc après, il faut qu'il se soigne certainement. Parce que sinon, il perd de la vie petit à petit. Et il peut finir par mourir. Alors, ah, une balise. Balise de sauvetage! D'ailleurs, j'avais croisé une balise aussi tout à l'heure et genre il y avait un requin qui l'a poussé et tout, il était complètement buggé dedans. Bah, en parlant de requin, il y en a un. Encore une fois, il n'y a rien sous la balise. Il n'y a rien au-dessus. Oh! Oh, shité! Alors bon, je vais éviter de trop me retourner, de toute façon, il n'y a rien à prendre dans la balise si je dis pas de bêtises. Cliquer là-dessus au cas où. Non, non. Il n'y a rien à prendre. On va aller sur une île quelque part. Je me suis déjà retourné. Oh là là. Non, je pense que c'est là-bas l'île où il faut aller. Bon, dans tous les cas, je vous fais une petite ellipse jusqu'à arriver sur la prochaine île. Hein. Que ce sert à rien que je vous passe le passage où je nage. Hein. Allez, à de suite encore. Et re tout le monde!
Donc ça y est, on est en train de retourner sur une île entourée de requins de tous les côtés. Non, ceci dit, cette île a l'air assez grande. D'ailleurs, c'est pas, elle est plutôt grande. Donc on va faire le tour des épaves vite fait comme d'habitude. Voyons voir ça. Alors ici, on a rien, il n'y a pas de coffre. Ça fait longtemps que j'ai rien trouvé dans les épaves. Alors autant, c'est vrai qu'on en parlait avec un viewer, j'ai eu pas mal de luck au début. Autant maintenant, j'ai pas grand-chose. Alors c'est bien hein, parce que je trouve des épaves, mais il n'y a rien dedans quoi. Bon, par contre, là, vu le nombre d'épaves, attendez, je vais forcément trouver quelque chose. Si j'arrive à ne pas me bloquer. Donc je garde volontairement le meilleur pour la fin. J'ai vu qu'il y avait une grosse épave là-bas, je vais y aller après. C'est quoi ça? C'est un rocher, d'accord. Bien joué. Bien joué, Horse. Non, mais bien joué. Le mec se fait avoir par des rochers. Oh! Oh, un aileron qui passe. Regardez! Il y a un requin! Il y a un requin dans l'île! My god! Oh là là. Requin, voilà, qu'on m'a dit qu'on peut les tuer et m'a dit pouvoir les tuer, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi, hein. Donc apparemment ça donne pas mal de morceaux de viande et tout, donc je remets pas la parole du viewer en doute. Je suppose qu'on doit pouvoir, mais moi après une centaine de coups de lance, j'ai pas réussi, donc voilà. Alors par contre, je disais qu'on gardait le meilleur pour la fin, mais regardez ça. On va pas pouvoir y monter. Parce que, encore une fois... Ah si, peut-être, en escaladant. Ressaute. Ressaute! Oh, c'est complètement buggé, mais... Vas-y. Monte. Monte. Je suis pas loin, je suis pas loin. Ouais, non. Non, non. Ouais. Non. Non. Donc voilà, ça c'est le problème. Il faudrait qu'on puisse voilà, sauter, s'agripper et genre ressauter ou quoi. Parce que là, il y a plein de... Il y a plein d'épaves dans le genre où on n'arrive pas à monter en fait. Parce qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. Il n'y a pas de possibilité de s'agripper vraiment. Attendez, je cherche vraiment, je fais bien le tour pour être sûr. Donc non, a priori, je vais pas réussir à y monter dedans. Ah, peut-être par là. Attendez, hop. Ça éviter de me bugger aussi, ce qui sera embêtant. Problème des épaves, hein. Faites très attention, je le dis à chaque fois, mais vraiment, on peut vous pousser une game, ne vous bloquer dans une épave. C'est pas grave, on est sur l'eau, j'ai une idée. Je pense que tout le monde a compris l'idée de toute manière et que tout le monde a eu la même. On va se couper un petit peu de bois. On va se créer une fondation assez haute. Si jamais elle est trop haute et que je peux pas y sauter dessus pour sauter. Oh, mais même! Attendez! Est-ce que je peux pas me faire un système de pont direct avec l'arbre? Est-ce que je peux sauter dessus déjà? Ah, ouais. Attendez, il y aura peut-être pas besoin de fondation et d'échelle ni rien. Regardez. Hop. Non, non, tiens. S'il te plaît, tiens. Alors, est-ce que je vais pouvoir y sauter dessus là? Ouais! Et là, j'ai pas de lampe, donc ce serait intéressant d'en trouver une un jour. Vous me direz, la plupart des lampes, elles n'ont pas de piles au début, donc c'est un peu galère. Alors voilà, là par contre, je suis face à un dilemme. Je peux entrer dans la soute, mais je me suis déjà coincé là-dedans, et donc je pourrais peut-être pas ressortir. Si ça m'arrive, je vais être buggé, je pourrais pas continuer. Bah le let's play comme ça. Donc ce que je peux tenter. Alors le problème en plus c'est que j'y verrai rien. My god, faut pas que j'y tombe dedans. Voilà. C'est que j'y verrai rien parce que c'est la nuit. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de se faire déjà une sortie de secours avec le tronc. Oh my god, je voulais pas tomber. Bon bah écoutez, c'est fait. Je suis dedans, j'ai le tronc. Et en plus, j'ai fait ça pour rien parce que il n'y a rien là-dedans. Et vous y voyez vraiment rien. J'ai pas pris mon briquet non plus. Je sais pas si ça aurait pu éclairer, mais j'avais laissé le briquet sur mon île principale. Donc c'est bien de laisser les trucs sur l'île principale, mais si on n'y arrive pas à y retourner, c'est moyen. Alors voilà, on va essayer de se faire
une sortie avec le tronc. Est-ce que j'ai faim? Ça va. Ça va, ça va. Ouais, ça va le faire, allez. Non, peut-être pas en fait. Hop. Hop. Ouais! Ah, mais nickel! Donc, les amis, quand vous partez en expédition, toujours avoir un arbre sur vous. C'est ce qu'on appelle l'arbre de secours. Donc voilà. Non, mais en tout cas, je suis content parce que ça, c'est une petite astuce qui va m'être bien utile, je pense, à vous aussi, si vous n'avez pas eu cette idée-là. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous risquez de vous bloquer, donc ça peut aider. Alors, ce que je vous propose. Il est 23h, voilà, minuit, donc la nuit va être longue. L'épisode, je pense qu'on a une trentaine de minutes, peut-être même un peu plus. Peut-être même bien plus, en fait, j'en sais rien du tout. On va clore l'épisode ici. Alors, je reconnais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action, beaucoup de mouvement. Maintenant, c'est un petit peu le jeu aussi qui veut ça, hein. Donc, c'est les phases d'exploration. Je vous ai quand même passé les phases longagne, hein. J'ai pas eu de chance après, donc voilà, j'y suis pour rien, tant pis, j'ai pas pu vous montrer beaucoup de choses à trouver dans les épaves et tout. Mais quand même, on a fait quelques îles, on a un petit peu exploré, voilà. Donc premier épisode d'exploration, je pense qu'on va continuer comme ça, je vais continuer d'explorer, d'aller d'île en île, histoire de voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc vous voyez qu'il y a encore quelques petits bugs aussi qu'on a croisés, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc ouais, je reviens sur la caisse, hein, la Mysterious Box. Si quelqu'un sait ce qu'on peut faire avec, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'aidera fortement. Et bien vous savez quoi, ce qu'on va faire, on va essayer du coup de faire un petit record de survie. Donc je suis à 3 jours de survie. Donc on va faire un petit échappe save game, vous voyez. Yes, game saved. En guise de bonne foi. Et je vous dis, j'espère que cet épisode vous aura tout de même plu. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.